sur notre chaîne YouTube Kassai Info, mais aussi sur notre chaîne de radio, la FCR du Kappa. Aujourd'hui, nous sommes dans un numéro très spécial que nous allons recevoir aujourd'hui, Emmanuel Makonda. Je rappelle qu'il est, moi j'ai le nom Jeune Bâtisseur, il est président de la fondation Emmanuel Makonda. Il est aussi secrétaire fédéral du parti politique l'Alliance des Congolais Bâtisseurs. Bonjour Monsieur Emmanuel. Bonjour, Kassane Moussouamba. Bonjour, chers internautes et auditeurs de la radio MCR Chikapa. Bonjour, Monsieur Mike Moulamba, le réalisateur de notre émission. Voilà, je rappelle à nos amis que cette émission est réalisée par et sous la supervision et la réalisation de Mike Moulamba. C'est grâce à lui que vous êtes en train de nous suivre et vous êtes en train de nous suivre partout dans le monde entier. Monsieur Emmanuel Makonda, aujourd'hui, nous vous recevons juste après un long parcours que vous avez effectué dans votre phase électorale durant 10 jours. Parce que ça, les alliés parlant, vous battez comme on a dit dans la phase électorale, il y a 9 jours, 10 jours, ce n'était pas facile. Comment ça a été? C'est pas chose facile, comme tu l'as souligné. Nous étions à Ilebo d'abord pour déposer notre candidature comme candidat député provincial dans les comptes du Parti politique Alliance des Congolais Bâtisseurs, dans les regroupements des ABARTDC, Action des Alliés, tous pour le développement du Congo. Avant toute chose, j'aimerais remercier le président national, l'honorable Kim Afouta. C'est lui qui a porté notre candidature au sein de notre parti politique, qui a défendu notre candidature au sein de notre regroupement. Aujourd'hui, notre candidature a été déclaré recevable par la BRTC Ilebo. Nous les rendons vivant hommage. Et aussi, nous remercions la population d'Ilebo qui a porté notre candidature. J'aimerais souligner ici que Emmanuel Makonda est le candidat de la population d'Ilebo. C'est la population d'Ilebo qui a dû à Emmanuel Makonda de se présenter comme candidat. Pour preuve, lors du dépôt de notre candidature, c'est la population d'Ilebo, les jeunes d'Ilebo, les vieux mamans d'Ilebo qui ont allé déposer la candidature d'Emmanuel Makonda. Ça n'a pas été facile. Mais comme on est l'émanation du peuple et la population et la population est derrière nous, ça a été facile pour nous. Je peux le dire que ça a été facile pour nous parce qu'on est l'expression de la volonté de cette population. Nous avons reçu des informations qui ont circulé que M. Emmanuel n'a pas été accueilli convenablement. Qu'est-ce que vous nous dites? Bon, moi je ne saurais pas dire. Il fallait que les gens qui disent qu'ils pouvaient le contraire. Moi, Emmanuel Makonda, mes images ont passé à la RTNC et mes images ont toujours l'habitude de passer dans la chaîne YouTube Kassai Info Plus. Que les gens puissent me confronter. Emmanuel Makonda, je suis parti de Chikapa ici à 5h du matin. Je devais arriver à Ilebo le même jour si Emmanuel Makonda n'était pas acquis. Mais je vous informe qu'Emmanuel Makonda, je suis passé nuit en cours de nuit. J'ai parcouru juste une distance de 150 km. J'ai passé nuit en cours de nuit parce que à chaque village, les gens voulaient qu'Emmanuel Makonda passe nuit chez eux. Voilà, vous êtes arrivé sur place. Ce n'est pas la première fois que vous avez toujours l'habitude d'effectuer les voyages ou soit de visiter votre base électorale. Vous êtes parti. Il y avait quelques recommandations, soit les doléances de la population de ces coins, et surtout de votre base électorale. Comment vous avez pu répondre par rapport à toutes ces préoccupations? Merci, cher ami. Je veux vous dire que Emmanuel Makonda, en dehors d'être secrétaire fédéral de l'Alliance des Congolais Bâtisseurs, je suis le président national de la fondation qui porte mon nom. C'est-à-dire que j'ai les actions que la fondation Emmanuel Makonda est en train de poser dans les territoires d'Ilebo. C'est vrai, avant qu'Emmanuel Makonda arrive dans la cité d'Ilebo, mais Emmanuel Makonda a toujours eu l'habitude de fréquenter les trois secteurs du territoire d'Ilebo. J'étais Banga, j'étais de Bassong et j'étais de Mabango. Et il y a plusieurs actions que nous avons posées sur le terrain. On a essayé un peu de résoudre. Je ne serais pas dit que nous avons résolu à 100% les doléances qui nous ont été formulées par la population. Mais je peux dire que nous avons posé, on a fait quand même quelque chose. Si nous voulons évaluer ça en termes de pourcentage, je peux dire que nous avons réalisé 100%.
qu'est-ce que vous avez posé comme acte? Parce que nous avons eu les informations selon lesquelles vous avez payé des factures. Donc nous voudrions aujourd'hui que vous puissiez nous faire un état des lieux par rapport à ce que vous avez posé comme action concrète pendant votre séjour à Ilebo. Bien que tu soulignes l'affaire du paiement des frais d'hospitalisation des malades, cela n'était pas l'action principale. Oui. Ça, on a agi en termes d'urgence parce qu'il y avait une urgence. Mais Emmanuel Makinda a doté les fournitures scolaires aux 10 écoles. Aux 10 écoles du territoire du Lego. Comme quoi, par exemple, les fournitures des bancs. Il y a le banc, le manuel, les cahiers, le craie, les uniformes pour les élèves, et tant d'autres. J'ai remis l'étole dans les différents villages. J'ai remis les médicaments. Et l'étole que vous avez remis dans des villages, là, c'était pour la construction de quoi? Des maisons de chefs coutumiers ou c'était quoi? Non, c'est pas pour la maison de chefs coutumiers. L'étole que nous avons remis, c'était pour construire les écoles et le centre de santé. Le centre de santé, j'ai remis les tons dans les différents villages. J'ai remis les médicaments dans les centres de santé, hormis les centres de santé qui ont signé un contrat avec la Fondation Emmanuel Makinda et d'autres centres de santé qui nous pensons intégrer dans les jours à venir. Comme vous avez souligné, je me suis rappelé. Et j'ai aussi. C'est juste pour vous relancer. Comme vous avez souligné par rapport au récent contrat que vous avez signé avec quelques structures sanitaires. Alors, c'était le contrat pour que les femmes puissent mettre au monde gratuitement. Où en sommes-nous? Le contrat a été résilié ou soit vous avez encore eu à renouveler? Quand je suis allé au départ, avant qu'Emmanuel Makinda descende dans ce terrain à Ilebo, j'étais à du formation sanitaire. Mais je peux vous informer que non, quand j'étais à ce poste dans la cité d'Ilebo, dans le territoire d'Ilebo, nous sommes passés de 10 à 15. C'est-à-dire, les gens, là où les structures qu'on avait un contrat avec eux, nous avons eu le temps de rénover. Mais là où il y a aussi d'autres structures que nous avons résilié les contrats parce que ces structures-là n'ont pas respecté les clauses de notre contrat. Nous avons constaté que non, nous payons l'argent pour les mamans qui accouchent. Qui devait normalement accoucher gratuitement, mais quand on s'est rendu sur le terrain, nous avons reçu les doléances que, en dehors de nos frais qu'on payait dans ce structure sanitaire-là, les infirmiers titulaires de ces formations sanitaires-là exigeaient encore à nos mamans de payer encore quelque chose. Là, on ne pouvait pas évoluer avec eux. Donc, ils ont manifesté aussi une mauvaise foi. Nous avons résilié les contrats. Mais on n'a pas voulu traduire l'infirmier en justice. On l'a sanctionné. Et juste, nous avons retiré sa formation sanitaire. Nous avons résilié notre contrat. Oui, la Fondation Emmanuel Makinda a éclairé quelques villages. Vous m'excuserez, c'est parmi les actions que nous avons supposées. Emmanuel Makinda, vous savez que nous, nos jours d'aujourd'hui, avec nos systèmes de lampadaires, on peut éclairer. Parce que les gens peuvent se poser des questions. Emmanuel Makinda a éclairé la Fondation Emmanuel Makinda. Comment la Fondation Emmanuel Makinda a éclairé le village? Les gens peuvent croire qu'on a fait un barrage. Non, nous avons éclairé ça avec le lampadaire. Le lampadaire, nous avons tout dit. Plus de 5 villages avec des lampadaires. Aujourd'hui, si tu quittes Ilebo vers Njokopunda, tu verras que non, il y a plus de 5 villages. Donc, dès qu'il est 18h, ils ont l'électricité 6h à 6h. À partir de 18h jusqu'à 6h du matin. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Ça, c'était les actions que vous avez posées en tant que président de la fondation. Vous avez posé par rapport à la visibilité de votre fondation. Et vous êtes, en même temps, vous avez des casquettes, si je ne m'abuse pas. Vous êtes président d'une fondation. Vous êtes aussi, en même temps, le secrétaire fédéral d'un parti politique. Quelle est l'action que vous avez posée pour l'intérêt de votre parti politique à Ilebo? Merci pour ta question. En ce qui concerne
le parti politique Alliance des Congolais Bâtisseurs, quand je suis arrivé à Ilebo, dans la cité d'Ilebo, quand j'ai réuni le dirigeant du parti, les gens qui gèrent le parti, et les membres ont soulevé, ils avaient soulevé le problème que jusqu'à notre arrivée, le parti n'avait pas un bureau. N'avait pas un siège. Et on était obligé. Ça a été vraiment. Une exigence. Une exigence cadre du parti au niveau du territoire d'Ilebo et les militants. Parce que dans les différents quartiers d'Ilebo, quand je partais visiter le militant de l'ancien Congolais Baptiste, ils nous ont exigé le siège administratif. Et nous avons résolu à ces problèmes. Aujourd'hui, quand tu arrives à Ilebo, je sais que dans toi, il y a plus d'une fois que tu étais à Ilebo, si tu arrives... Oui, et bientôt nous y serons peut-être si Dieu nous prête. Si Dieu nous prête. Au niveau du rond-point de l'Opa, qu'on appelle communément appelé rond-point Kachama, à gauche, en face de Tander, le chapiteau, le niveau de la région des eaux, il y a un bâtiment là que nous avons prêté à la... Parti politique à l'Est Congolais Bâtisseur. C'est au jour d'aujourd'hui, le Parti politique à l'Est Congolais Bâtisseur a un siège. Donc, si quelqu'un quitte le cap vert et il est beau, il y a possibilité de lui dire vous arrivez à tel endroit, vous verrez les sièges. C'est visible, c'est visible. Le parti est bien mentionné, on a bien écrit. C'est visible, c'est pas question de chercher. Je te dis seulement que dès que tu arrives au niveau de l'emploi ou pas, et tu n'as même pas le temps que tu demandes à une personne que non, le bureau est assez bizarre. Non, c'est toi-même, avec tes yeux, tu pouvais voir que non, là, il y a les bureaux de l'Alliance des Congolais Bâtisseurs. Et le bureau est ouvert chaque jour. Voilà. Monsieur Emmanuel Makinda, nous avons constaté, nous avons vécu des aventures, surtout ici à Tshikapa. J'ai vu un bureau d'un parti politique. Je me réserve de citer ce parti politique-là, qui aujourd'hui, j'ai vu, on a écrit. Bureau à louer. Mais c'est un parti politique, on a bien mentionné les partis politiques, mais on a écrit bureau à louer. Est-ce qu'on ne va pas aussi vivre dans ou soit tomber dans des telles histoires à Ilebo avec votre parti? Emmanuel et Hassan nous sommes battus parmi quand même les journalistes qui m'accompagnent et les journalistes qui partent par moment, je partage avec eux. Tu sais qui est Emmanuel Makinda? Toi, tu penses que non. Et Emmanuel Makinda n'est pas cadre de n'importe quel parti politique. Et là, c'est comme le Bâtisseur, c'est un parti socialiste qui respecte les normes, qui respecte... Dans l'ACB, il y a l'humanisme. Je pense que non, Emmanuel Makinda peut aller salir les comme le Bâtisseur. Je ne peux pas tenir l'image de mon parti politique. Et hormis du fait que je ne veux pas tenir aussi l'image de mon parti politique et mon image aussi, je suis parmi les rares jeunes qui n'aiment pas les aventures. Je pense que non, Emmanuel Makinda, je peux me lancer dans un parti. Jamais. On doit le faire pour gagner, pour avoir bois. Il y a bientôt. Le sortie officiel de notre parti politique ici au Kasaï, c'est depuis le 20 décembre 2022. C'est au jour d'aujourd'hui. Si je pouvais faire les aventures, on pouvait faire les aventures là, même en janvier 2023. Nous avons patienté. Emmanuel Makinda a patienté. Nous avons patienté durant 9, 10 mois, 11 mois. Et tu me dis que non, je vais faire les aventures. C'est que j'ai mobilisé les ressources. Il n'y aura aucun problème. Qui est derrière Emmanuel Makinda? C'est la population. Parce que je sais pourquoi j'ai posé cette question-là. Parce que vous n'êtes pas seul au sein de ces partis politiques, mais je constate que vous êtes parmi ceux qui essayent de faire surtout les miens. Parce que nous devons quand même féliciter lorsqu'une personne pose de bonnes actions, nous devons quand même féliciter. Vous êtes, je dirais, peut-être les chers internautes peuvent me comprendre, même les auditeurs peuvent aussi me comprendre. Je précise et j'affirme que vous êtes les seuls parmi les jeunes qui sont au sein de ces partis politiques, mais qui essayent de faire le mieux et qui, quand même, qui posent des actions concrètes. Et il y a certaines qui pensent que vous êtes enfant chéri de l'humain. Vous confirmez ça? Guy Mafuta n'a pas de parti politique. Guy Mafuta nous considère nous tous. J'aimerais te dire que certains de mes camarades ne font rien. Je te dis que non, toi tu ne t'intéresses pas d'eux.
tu t'intéresses plus, peut-être tu t'intéresses plus à Emmanuel Makinda ou à Justin Bongo, mais on est nombreux et nous posons les actions. Ils posent les actions, mais on ne les voit pas. Non, ils posent les actions. C'est toi, en tant que journaliste d'investigation, tu peux descendre sur le terrain. Toi, tu veux dire que non, mon camarade Dimak Chapeau, que j'ai salué en passant, il ne fait rien. Tu veux dire que mon ami Bernard Nzambi, il y a plus d'une. À chaque fois, chaque week-end, Bernard. Quand même, nous connaissons ceux qui posent des actes. Par exemple, notre ami Neville. Neville est en train de faire aussi ses tableaux pour remettre dans des écoles. Quand même, nous, ça se voit. Non, c'est comment que... quelqu'un peut poser une action, mais on ne la voit pas. Non, intéresse-toi de. Tu n'as qu'à appeler le camarade, n'importe quel camarade que tu veux choisir, tu l'appelles, il va te dire ce qu'il fait. Si toi aujourd'hui tu as si ce que moi je viens de déposer comme action, c'est parce que vous m'avez invité, je suis venu, c'est pour cela, et tu as su qu'il y a une manière de te poser des actions. Invité aussi, et tu te rendras compte que au niveau de notre parti politique, nous travaillons. Emmanuel Makinda est beaucoup financé par Jim Afrika. Que répondez-vous à cette question? Emmanuel Makinda est beaucoup financé par Jim Afrika. Surtout dans les actions que vous êtes en train de poser, on nous précise que c'est Jim Afrika qui est derrière vous, l'honorable Jim Afrika, qui est le président de votre parti, surtout que vous êtes son enfant chéri, il vous donne beaucoup d'argent au détriment des autres. Je te l'ai dit que non, Jim Afrika aime tout le monde. Il n'y a jamais eu un parent, toi tu es parent, tu ne peux pas avoir tes deux enfants et tu aimes un au détriment de l'autre. Dis-moi, Fouta, il nous aime tous. Il nous chérit tous. Donc il vous donne tous l'argent. Qui est cet enfant-là qui peut demander à son père un pain et son papa lui donner un caillou? Voilà, je rappelle à nos chers internautes que nous sommes en train de recevoir Emmanuel Makinda. Je rappelle qu'il est président de la fondation Emmanuel Makinda. Il est aussi secrétaire fédéral du parti politique Alliance des Congolais Bâtisseurs. Avec lui, nous sommes en train de partager plusieurs questions par rapport à sa récente descente dans sa base électorale. Nous allons y revenir surtout par rapport aux prochaines élections. Emmanuel Makinda, vous êtes descendu dans un terrain où il y a, je dirais, des anciens qui avaient déjà des bases, ils ont des moyens, ils ont des connaissances, ils ont déjà les expériences par rapport aux élections. Comment vous allez vous en sortir? Si les gens, moi maintenant je vous ai dit au début de notre émission que la population du Congo est derrière moi. Je n'ai pas peur que non, X a l'argent. Moi, ma force, j'ai la population. Vous avez par exemple les rapporteurs de l'Assemblée provinciale, l'honorable Pongo Mubambare qui est là, vous serez en face de. Honorable Hubert Ngolandio, que je ne sais pas s'il sera au niveau à la députation nationale ou provinciale. Donc, vous ne voyez pas que c'est un terrain très dur pour vous. Et quelles sont les stratégies mises en place pour une victoire? Je ne saurais pas dévaler mes stratégies ici. Non, je vous dis que non, rassurez-vous que non. En janvier 2024, Emmanuel sera élu d'abord, sera élu et proclamé par la CENI. Sera proclamé par la CENI que Mme Makinda est élu député provincial, circonscription électorale directe. En ce qui concerne mes stratégies, je ne saurais pas les dévaler ici. Merci beaucoup, Emmanuel. S'il arrivait, par exemple, ce n'est pas notre souhait, mais s'il arrivait, c'est une hypothèse que je suis en train de soulever, s'il arrivait qu'après les élections, Emmanuel Makinda n'est pas sorti candidat député provincial, quelle sera votre attitude? D'abord, vous allez continuer à poser vos actions comme auparavant ou vous allez abandonner? D'abord, je suis parmi les jeunes, tu me connais très bien, je suis parmi les jeunes qui ne regrettent pas. Et quand je pose mes actions, quand je fais quelque chose, j'assume ça. Je t'informe que non, Madame Makinda, je ne regrette aucun jour. Donc, vous allez. Et en ce qui concerne les actions,
mes actions, je pose ces terrains. Je n'ai pas commencé à poser mes actions parce que j'ai exprimé le candidat député. J'ai toujours posé mes actions avant même que la population du Lébo dise que non, Emmanuel Makinda peut se représenter. Donc vous voulez dire que vous assumez la réussite, même l'échec aussi? Je n'ai jamais rêvé l'échec. Je rêve toujours de la réussite. Et quand je fais mon projet, je n'ai jamais échoué. Un jour, Emmanuel Makinda élu député provincial, quel sera votre rapport? Je vais d'abord unifier la population du Lébo. Vous savez que dans la population du Lébo, au jour d'aujourd'hui, il y a des problèmes, il y a des divisions par-ci par-là. Pour mettre des actions, parce que on ne peut pas prétendre faire quelque chose si la population ne vit pas en unité. Je vais unifier la population du Lébo. Et après, Emmanuel Makinda doit s'investir dans la lutte des endémies telles que la tuberculose, le paludisme, le VIH. Parce que la santé de la population est très importante. On ne peut pas prétendre développer un coin si la santé de la population n'est pas garantie. Je vais s'investir à la réhabilitation des différents ponts. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des ponts dans les territoires du Lébo sont dans un état de délabrement très avancé. Je vais m'investir que ce pont-là soit réhabilité. Je vais m'investir que la population du Lébo ait accès aux soins de santé de qualité. Je vais m'investir que la jeunesse du Lébo ait accès aux infrastructures scolaires répondant aux normes. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas pour rien, Emmanuel Makinda, je puis doter les écoles, oui. Quelques établissements scolaires, en fourniture scolaire, parce qu'aujourd'hui, c'est catastrophique. Même si tu veux faire les investigations ici à Tchikapa, tu te rends compte que non, la plupart de nos petits frères se mettent au sol pour étudier. Je veux promouvoir la jeunesse. Je veux encadrer la jeunesse. Et je vais initier le projet agricole. Parce que la plupart des gens qui se lancent, au départ, les gens disaient que les Kassai, c'est une province qui vit grâce au diamant. Mais au jour d'aujourd'hui, Tchikapa d'abord, si on veut voir dans la ville de Tchikapa, le diamant n'est même pas. Presque oui, pas. Certainement. Je vais initier des projets agricoles pour qu'on puisse ravitailler la ville de Tchikapa. Je vis les gens, hein, mais nos amis disent que non. Fistiger le gouvernement provincial pour dire que non, il y a hausse de maïs. Des produits alimentaires. Mais si nous voulons mener l'investigation, combien d'entre nous, ils se sont investis dans l'agriculture. Si nous voulons mener l'étude, on se rendra compte que non, peut-être c'est moins de 10%. Et moi, Emmanuel Makinda, je vais initier le projet agricole pour que les maïs, les manioc quittent le territoire du Lébo vers le centre de consommation qui va être la ville de Tchikapa ou soit d'autres provinces. Et aussi, on va s'investir à la réhabilitation des routes des aides agricoles. Je pense qu'il y a quelques postes. En résumé, ce sont les actions que Emmanuel Makinda, ce sont les projets que Emmanuel Makinda pense faire une fois élu. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nos chers internautes, même auditeurs de la NCR, ils ont suivi quand même que c'est un projet un peu très riche qui va beaucoup plus aider notre population. Emmanuel Makinda, avant que nous puissions, parce que nous sommes en train de chuter déjà, je voudrais savoir, parce qu'aujourd'hui, nous avons vu que c'est presque tous les jeunes qui ont abandonné ce qu'ils étaient en train de faire. Il y a ceux qui ont abandonné, même les autres qui étaient des enseignants, ils ont quitté l'enseignement, les autres qui étaient des maîtres avocats, ils ont tout abandonné. Aujourd'hui, ils se sont investis dans la politique. Alors, je vous pose une question. Emmanuel Makinda, vous êtes aujourd'hui acteur politique, c'est pour une revanche, vous êtes dans la politique, c'est
c'est pour chercher l'argent, parce que certains jeunes pensent que c'est dans la politique où il y a beaucoup d'argent. Quelles sont vos convictions? Je ne sais pas, Emmanuel Makinda, je ne vais pas devenir député pour avoir l'argent. Et je vous informe, d'ailleurs, quand je serai élu, je vais m'appauvrir davantage. Si Emmanuel Makinda pense être élu pour devenir député, c'est pour représenter la population d'Ilebo d'une manière particulière. Il y avait des représentants qui étaient au sein de l'Assemblée provinciale. Je ne suis pas venu ici pour évaluer ce que mes aînés ont pu faire. Mais je te dis que on peut être représentant, mais pas pour représenter valablement votre population. Mais tu peux être le représentant de la population. Je dis que je serai le représentant valable de la population d'Ilebo. Voilà, aujourd'hui, nous revenons maintenant dans la ville de Tchikapa. Avant de conclure notre émission, nous avons les sécurités qui barrent corps. Vous êtes notable de cette ville. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Et quel est surtout votre message par rapport à cette insécurité qui bat record? Nous avons perdu plusieurs personnes, nous avons perdu même un colonel qui est mort à cause de l'insécurité. Le plus grand problème qui est là, c'est en nous, la population. On ne peut pas fustiger seulement le gouvernement provincial, comme d'autres jeunes se lancent dans ce parti-là, chaque fois fustiger le gouvernement provincial. Je demande à nous, population, qu'on puisse dénoncer, parce que les gens là vivent avec nous. Nous les connaissons. Quand moi je connais que non, Eric Hassan Moussouamba est parmi les acteurs qui mettent la population mal à l'aise dans la ville de Tchikapa, je dois dénoncer ça. Et nous demandons aussi, c'est comme je demande au gouvernement provincial, c'est de mettre le moyen nécessaire. Oui, c'est vrai que non, peut-être ça n'était pas prévu dans le budget de la province, l'exercice 2023, mais je demande que le gouvernement provincial, s'il peut penser d'agir en termes d'urgence, en donnant quelque chose à la police pour assurer au moins notre sécurité. Et le reste, le plus grand problème, c'est nous, la population. Nous devons coopérer avec la justice. Nous devons dénoncer tout le monde que nous suspectons. Voilà. Par là, je comprends juste que vous avez invité la population à une franche collaboration avec les services de sécurité. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Monsieur Emmanuel Makinda, un fort message, surtout à tous les internautes qui nous suivent, même aux auditeurs de la NCR qui nous suivent. Concernant les internautes, je les demande de s'abonner massivement dans notre chaîne, YouTube Kassai Info Plus. La chaîne qui fait la fierté du Kassai. Ouais. On doit s'abonner. Et en ce qui concerne la population de la province du Kassai, le temps est venu pour corriger les erreurs du passé. De faire un bon choix, de voter utile. Nous ne pouvons pas voter les gens parce que la personne m'a remis 1 000 francs, il m'a remis un polo, il m'a remis quelque chose. Votons utile. Parce que juste pour les 5 minutes que tu dois faire devant la machine à voter, tu peux sacrifier l'avenir de la province. Nous devons faire un bon choix. Nous devons sanctionner tout le monde. Les gens que nous avons vu qu'ils n'ont pas pu faire quelque chose, nous devons les sanctionner. Et nous devons accorder un second mandat au chef de l'État et lui donner une majorité écrasante pour que nous puissions espérer le développement de la province du Kassai. Pour que nous puissions espérer le décollage de la province du Kassai. Il est temps de voter utile. Votons utile. C'est le moment. Voilà, merci beaucoup à chers internautes. Merci à tous les auditeurs et auditrices de la NCR Tchikapa. Ça a été plaisir pour nous de recevoir M. Emmanuel Makinda. Je rappelle qu'il est président de la Fondation Emmanuel Makinda. Il est aussi directeur fédéral du parti politique Alliance
des Congolais bâtisseurs. Moi, c'est Eric Arsène Moussamba. Nous vous disons sincèrement merci pour votre fidélité et je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Kasaï Info Plus. Et je rappelle que cette émission a connu la réalisation et la supervision de Mike Moulamba, que je suis en train de dire sincèrement merci. Lui, on l'appelle souvent la presse présidentielle. Voilà. Et nous disons aussi merci à Emmanuel Makinda, que je surnomme les jeunes bâtisseurs, pour avoir répondu à notre invitation. Merci, M. Arsène Moussamba. Je sais que non, ce n'est pas la dernière fois. Et à chaque, on est disponible. Merci. À tout moment, quand vous aurez besoin de nous, on viendra répondre à vos invitations. Merci beaucoup. Nous vous disons sincèrement merci et surtout, bonne journée en compagnie de votre chaîne YouTube Kasaï Info Plus.